Good morning, la idée de ce soir aujourd'hui, Léon Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna et Lucienne Batraina. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Nazir, Père Gemel Mishnah Zain. Mishayu, Shtekite Edim, Meidot Oto. Elo Meidin Shenazar Shtaim, Ve Elo Meidin Shenazar Chamesh. Bet Shamayomrim, Nechleka Edut, Ve Entanezirut, Bet Yelomrim, Yashbechel Chamesh Shtaim, Cheyen Nazir Shtaim. Mishnah qui a plus d'allant rapport avec la suite des. Avec les Mishnayot précédentes, où on s'intéresse avec un cas que Mishayu, Shtekite Edim, celui qui avait deux groupes de témoins, mais Eidot Oto, qui témoignent contre lui que Elo Meidin Shenazar Shtaim, eux témoignent que deux témoins qui témoignent que j'ai prononcé, que je prends sur moi deux Nezirut. Genre, à telle date, à Rosh Chodesh Tammuz, j'ai pris sur moi deux Nezirut. J'étais là-bas, à tel endroit. Et j'ai pris sur moi de faire un vœu de deux Nezirut. Donc, je devrais démarrer du premier Tammuz 30 jours jusqu'au premier Av, puis après finir à porter mes commandes, puis après démarrer une deuxième Nezirut jusqu'au premier Elul Berer. D'accord? Elo Meidin Shenazar Shtaim, 62 jours en fait, ouais. Mais maintenant, il y a deux témoins qui disent qu'il a pris sur moi, que j'ai pris sur moi deux Nezirut, et deux témoins qui disent, non, il n'a pas dit deux, il a dit cinq. Cinq Nezirut. Donc en fait, je vais avoir Tammuz, Av, Elul, Tishrei et Cheshvan. Jusqu'au début qui se lève, j'aurais pas fini encore avec ma Nezirut. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé toutes sortes de scénarios. Par exemple, ils m'ont attrapé le 15 Tammuz, ou le 15 Elul, ou le 15, ce que vous voulez, Tishrei, en train de me boire du vin. Est-ce que maintenant je dois me faire frapper ou pas? Parce que, apparemment, vous allez me dire quoi? Si je témoigne que tu dois 100 shekels à Réhouven, et quelqu'un d'autre témoigne que tu dois 200 shekels à Réhouven, je suis en train de me contredire, on se contredit, lui et moi, ou bien non, on dit, écoute, premièrement, quoi qu'il arrive, d'après ce que je dis, d'après ce que tu dis, ce qu'il dit lui, tu dois 100, peut-être que tu dois aussi 200. Comment s'intéresser, est-ce qu'il y a une contradiction, c'est une question en fait de Rosh Mishpat cette fois-ci, est-ce qu'on voit en cela une contradiction de témoignage? Réellement, pour l'argent, il faut savoir que vous devez 100 shekels, et le deuxième, il n'y a pas de... Il y a des témoins qui témoignent que lui, d'autres témoins que maintenant, ça fait qu'on est, est en stand-by pour le moment. Il y a une contradiction sur le 100 supplémentaire, mais pour le 100 en commun, on doit les payer. Mais là, pour la Nezirut, ce n'est pas la même chose, parce que Elu Meidin Shenazar Shtaim, eux témoignent qu'il a pris sur lui deux Nezirut, Elu Meidin Shenazar Chamesh, il a pris sur lui cinq Nezirut. Or, maintenant qu'on s'éclaire, les deux témoins, les deux groupes de témoins, donc les quatre témoins, témoignent tous sur la même scène. On était sur l'esplanade du Kotel, en train de sortir à tel moment précis, et quand j'étais là-bas, j'ai dit, je prends sur moi deux Nezirut. Il a dit, non, il a dit cinq. Sur ça, Bet Shammai Omrim, Nechleka Edut Venken Nezirut. Bet Shammai dit qu'elle se contredit, Nechleka, elle se sépare en deux, le témoignage, Venken Nezirut, et il n'y a aucune Nezirut. Ah, il manque un élément à la scène, c'est le Barthénois qui nous dit, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que je dis moi-même? Moi je dis quoi? Alors le Barthénois nous dit, il veut Omer Shalom Nadar Klal, moi j'ai rien du tout, j'ai pas pris Nezirut. Et deuxièmement, il dit, bien sûr, t'as pris Nezirut, t'as pris ta vie, t'as bu du vin, tu dois recevoir des coups. Et moi je dis que j'ai rien bu, et l'autre il me dit, non, t'as pris 5 Nezirut, Klal. Alors maintenant, selon Bachamay, oh, on leur dit, écoutez, moi, toi tu dis 2 sur la même phrase, et toi tu dis 5, vous êtes en contradiction. Donc pour le moment, il n'y a pas de témoignage, il n'y a plus de témoignage, et moi je dis que je n'ai pas été nazir, donc je me la coule douce, et je pourrais continuer à boire du vin aussi. Il n'y a aucune Nezirut qui a été appliquée sur moi. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Au Bet Hillel Omrim, Bet Hillel me dit non. Yesh Bichlal Chamesh Shtaim, Sheyen Nazir Shtaim. Maintenant, ils disent non. C'est vrai qu'il y a une petite contradiction, mais on est tous d'accord qu'il y a eu au moins deux. Donc, puisqu'on est d'accord qu'il y a eu au moins deux, premièrement, deux et une Nezirut, donc pour le mois de Tammuz et de Av, si j'ai bu du vin, eh ben, je reçois des coups. Mais pour ensuite le mois de Elul, il y a une contradiction sur ça, c'est vrai. Et dans ce cas-là, tu ne recevras pas des coups, tu ne seras pas frappé parce que tu es en train d'interdire de bordure, parce qu'on ne sait pas ce que tu es à dire. Mais pour les deux, comme ils nous disent, Yesh Bichlal Chameshtaim, dans 5, il y a au moins 2. Cheyen Nazir Shtaim, donc ça implique que tu seras nazir au moins pendant 2 Nizirouyot. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Toub. Salam.